Oula. Il est déjà 16h. Bien, salut à toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 5ème épisode de la M Coccinelle. Et vous le voyez, bon, pour le moment c'est un petit peu dégueulasse, hein, je vous rassure, ça va repousser l'herbe, hein. J'ai fait un petit peu de terraforming off, je tourne cet épisode à la suite du dernier. Donc 5 minutes après que j'ai arrêté le dernier épisode, vous m'avez compris, je me suis fait une pelle. Et j'ai un petit peu enlevé tout ça, enlevé quelques arbres. On en enlèvera au pire au fur et à mesure si jamais. Donc voilà, j'ai fait un petit peu une base plate du coup, donc j'ai terraformé ici. Et donc on va construire notre maison ici, bien évidemment. Du coup juste le chien lui me fait peur. Il me fait peur, on va le mettre un petit peu plus en sécurité. Il y a un truc que j'ai envie de faire, j'ai envie de tester le. Je voulais pas le faire au début, clairement je voulais pas le faire, mais j'ai envie de voir si ça fonctionne. On va peut-être pas y aller, on va peut-être pas y aller les amis, mais on va voir si le portail en lui-même fonctionne. On va voir si j'ai raison. On va faire du coup la dino dimension. On va voir la dino dimension. On va temporairement la mettre, tu vois, genre on va la mettre, je sais pas où, tiens, où c'est qu'on pourrait la mettre. Ah non, je sais pas en fait. On va peut-être pas le faire finalement. Non, vous savez quoi, oubliez ce que je voulais dire. On va pas le faire. On va pas le faire maintenant. Là, on va se poser, on va se faire une petite maison. Voilà, dans cet épisode, c'est vraiment épisode maison déco, tu vois, tu m'as compris, hein, clairement. Donc, ça on garde, on a toujours besoin. Je vais me refaire du coup une pelle en fer, parce qu'elle va me lâcher du coup celle-là. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire une... Parce qu'on a pas mal de fer, ouais, parfait. On va se faire une enclume directement, comme ça. Comme ça, on aura déjà... Attends, il faut encore faire un bloc. Comme ça, on sera déjà pas mal. Voilà, l'enclume, on va la poser ici. On n'a pas encore de diamant. Donc ça évidemment ça va venir plus tard, je vous rassure. Ah bah si, on a du diamant. Je suis carrément con. Ah mais je suis carrément... Bah attends, bah on va se faire une pioche en diams du coup pour miner l'obsidienne quand on en aura. Ah ouais putain, je suis con. Et d'où on a eu tout ce diamant, tiens? Je sais pas. Bref, on a déjà une pioche en diams. Pour le moment on reste sur les pieux en fer, on en a pas trop besoin. On peut faire quoi avec le diamant, tiens, de nouveau? On peut faire ouais, on peut faire des trucs comme ça. Ouais, ça j'ai un petit peu du mal. On peut faire une pioche en diams, hein, pour ceux qui voulaient savoir. C'est tout, voilà, on peut pas faire grand chose non plus. Y a un truc qui m'intéresserait, mais en fait j'ai pas de mode pour, malheureusement c'est pas grave. Un système de téléportation pour aller ici. Voilà, j'en demande trop, je sais, mais ce n'est pas possible, donc c'est pas grave. On va juste se faire des escaliers, se faire un truc bien. Ça va peut-être un peu ressembler à Madventure, hein. Mais je vais pas faire la même maison que dans Madventure, vous inquiétez pas. On va faire un truc badass pour cette série, voilà, je vous dis. De toute façon avec tous les matériaux qu'on a. Par contre j'ai vraiment pas d'idée de comment faire la maison. Voilà, l'intérieur je sais comment le faire, mais je vois pas comment faire l'extérieur. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Il y a des bugs, hein, des fois, hein, bien évidemment. Bah, je ne sais pas. Ah, regardez d'ailleurs, regardez. Lit torch. C'est quoi ça? Matchbox. Ah, c'est. What? Attends, je comprends pas. Parce que il y a un truc qu'on peut. On peut faire des torches infinies, ça je vous l'avais déjà dit. Eh, vous savez quoi? Je sais ce qu'on va faire. Les chiens, ils vont rester ici. On va même pas faire notre maison maintenant. Pour la simple et bonne raison que on peut pas la faire maintenant. On va aller en mine, on va choper un maximum d'obsidienne. Voilà, c'est clair et net, je vous dis maintenant. D'ailleurs, vous savez quoi? On va faire un truc, voilà, pour exploiter les mods. On a assez de cuir, normalement. On n'a pas assez de cuir, très bien. Je retire ce que j'ai dit, je voulais faire un backpack. C'est pas grave. Donc, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller miner. Je sais que c'est relou, mais là cette fois-ci vous inquiétez pas. On va les miner, ou du moins on va chercher des endroits où on peut avoir des minerais, surtout pour avoir de l'obsidienne. Hop, MLG réussi. On va déjà explorer ceci, voilà, on va aller voir qu'est-ce que nous avons. Ok, on a déjà des mobs. Ah bonsoir. Ah putain, bonsoir, ça va la famille? Oh, j'ai débloqué un chapeau. Il y avait un zombie qui avait un chapeau. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'est. Alors ici, on a un fer, on a un CD, bah écoutez les gars, on se met bien. Les sels, ça je prends. Et du coup ouais, bah si vous voulez je prends ça au cas où, hein, mais vraiment au cas où. J'ai débloqué quoi du coup comme chapeau? Non c'est pas ça, hop. J'ai débloqué normalement le wood hat. Ah c'est énorme. On a quoi? On a le pig hat, le... ouais ça. Ouais donc tout ça on sait. On a le wood hat, c'est marrant ça. En gros on a une, ouais une hache Enfin bref tu m'as compris, on a du bois et une hache dans la tête quoi, tu m'as compris. On va garder ça pour le coup. Du coup, est-ce qu'on pourrait avoir des mines? J'ai pas envie de faire du minage opti. J'ai juste envie d'avoir une mine très rapidement. Ou alors, attends. De la lave. Il y avait de la lave là-bas, mais c'est juste une source d'eau. Alors attends. Vous inquiétez pas. Je maîtrise totalement la situation, les amis. On va juste chercher de la lave. Donc en surface, on s'en fout.
Me dites pas en commentaire qu'il y a de la lave là-bas, je le sais, mais il y a qu'une source en fait. C'est qu'une source de lave. Ça m'intéresse pas d'avoir un bloc d'obsidienne. Faudrait qu'on se fasse une table dans. Oh putain. Oh sa race. Il y a un château gigantesque. Oh putain, on va y aller. Par contre, est-ce que là, il y a des trucs qui m'intéressent? Non. On va aller voir le château. Changement de plan. Là, on a encore quelque chose. Bonjour. Ah, c'est juste un petit pas. Original, un petit passage comme ça. On sait pas à quoi ça sert. On va aller voir le château. Changement de programme, les gars. C'est énorme. Énorme. Ah, ça, c'est vraiment pas mal. Parce que si on reste installé là, regardez, on est juste là-haut. On va se faire une maison. On pourra se faire des ponts pour relier au château. Je sais pas si c'est bien ou pas. On va y aller, les gars. Vous savez quoi? C'est parti pour la découverte du château. Peut-être qu'il y aura de l'obsidienne. Donc, à la base, l'idée, c'est qu'on ait de l'obsidienne pour faire une table d'enchant et pour aller dans le. Pour aller dans le Nether, histoire qu'on ait de la glowstone, etc. Des niveaux. Toi, t'as quoi comme chapeau? T'es tout blanc, toi. Donc, on va aller voir. Exploration du château, les gars. Je suis chaud. Je suis chaud bouillant. Oh putain. Ok, donc c'est parti. On est dans un château, bonjour. Ok. Ah bah, on a de la lave. Génial. Ok, on a un œuf et un briquet. Donc, je vais pas dire non, hein, parce que. Ah, c'est énorme. Ici, on a quoi? Une épée en fer, je vais pas dire non, du blé, un bol, je m'en fous. Ici, un plastron en fer, je dis pas non. Eh les gars, ils me donnent des trucs trop cool. Alors attends, vous savez quoi? Eh, mieux vaut prévenir que guérir. On va prendre déjà le bloc d'obsidienne. On va se mettre bien, écoutez. Eh, ce sera déjà un bloc d'obsidienne en moins à prendre, donc je le prends. Et puis voilà. Oh, regardez en haut à droite. Attendez, je vais vous agrandir la map. Vous voyez ce château? Ben, ah non, en fait, je suis parano. J'ai cru que ça faisait une tête de mort, mais en fait, pas du tout. J'avais cru que ça ressemblait à une tête de mort. Ok, qu'est-ce que nous avons alors? Alors je crois que j'avais déjà exploré ce genre de château une fois à l'époque avec des mods. Ça doit être le mode Ruins. Ah ouais. Et ça c'était dans le ciel à chaque fois. Je m'en rappelle pour ceux qui me suivaient quand je faisais des vidéos à l'époque. Ah ouais, j'avais déjà... Je connais ces mode Ruins. Par contre c'était tout le temps dans le ciel. Alors je sais pas si c'était un bug. Bon, ceci étant, ici il n'y a pas de bug. Il y a quoi là derrière? Oh putain, il y a un lion surtout, donc on va pas y aller, bonjour. On va monter là-haut, ok. Parce que monter là-bas, en bas, c'est un peu compliqué. Y a pas des coffres cool? Ah, je pense qu'il doit y avoir des trucs sympas. Donc là, on a des... Ouais, c'est pas non plus un château de ouf. Hein. C'est vraiment un château pour se défendre en cas de panique générale. Là, on a une... Y'a quoi? Et vous savez quoi? Moi, je monte comme ça, je m'en fiche. Ouais, y a rien, en fait. C'est juste... Y avait juste des coffres à l'entrée, très bien, ok. Ah! Des bibliothèques! Et j'ai pas... Si, j'ai ramené la hache. Ça, c'est intelligent, ça. Ça c'est un truc intelligent que j'ai fait de ma part. Ça c'est bien, on a des livres gratuitement. Moi je dis pas non, ça me dérange pas, bien au contraire. D'ailleurs avec des livres on peut faire plein de trucs, regardez. On peut, oh là là. Bon on peut faire des bibliothèques hein, sans déconner. On peut faire une boîte aux lettres, mailbox. On peut également, ah mais attendez, on peut aussi faire ouais c'est tout en fait, on peut juste faire une boîte aux lettres. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, et puis on peut les enchanter bien évidemment. On a des coffres en bas, on y est déjà allé, très bien. Ok bon bah c'est cool. Eh, c'était, on n'y est pas allé pour rien déjà, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Et là on a, vous voyez, ce qu'on appelle des les fossés là, les trous là. Bon, il est pas très grand hein, le trou, franchement on peut y aller très facilement. Ah les oiseaux ils me pètent les oreilles par contre, j'ai le son un peu du jeu trop fort. Ah ça fait mal aux oreilles, on va vite se casser. Est-ce que du coup on a des petites mines sympathiques? On va éviter de se perdre hein, bien évidemment. Oh il y a encore quelque chose là. What the fuck, il y a des constructions de malades là-bas. Et plus on s'éloigne et plus il y a des trucs de ouf hein, clairement. Donc on y va. De toute façon vous inquiétez pas, la maison qu'on va construire c'est vraiment notre lieu de résidence en fait. C'est à dire qu'on va pas y rester tout le temps, on va pas... C'est pas comme dans Madventure où c'est notre lieu principal. C'est juste pour se poser en fait, notre base qu'on fait. On pourra faire d'autres maisons etc. Donc voilà, rien ne nous empêche d'aller plus loin. Et c'est l'objectif hein. On va se balader, on va découvrir plein de choses. Et voilà, les objectifs et les modes nous le permettent. Bien évidemment. Alors qu'est-ce que nous avons comme construction du coup par là? Un manoir peut-être? Je rigole. Ah, c'est bon? Ah, bon, re tout le monde, ça a craché, vous l'avez deviné, c'est pas grave. Du coup, c'est parti pour ce qu'il y a. Par contre, j'ai remarqué un truc. Sur la carte, vous voyez, en haut à droite, il y a des points rouges. Ah, mais c'est ça, c'est les trucs champignons. Ok, donc on va avancer lentement pour éviter de refaire crash le jeu, bien évidemment. Le temps que tout se génère, à mon avis, ça doit être un truc badass. Hein. Par contre, le soleil se couche, ce qui est un peu relou. Je sens que ça va cracher, je sens mon jeu... Je sens mon jeu faire n'importe quoi. Bonjour. Oh, ça va être un truc. Je sais pas pourquoi, mais ça va être un truc badass. Alors attendez, vous savez quoi? Oh, j'ai pas mon lit sur moi, c'est une blague. Bon, moi, c'est pas grave. On va rajouter un peu d'hardcore à la série. Donc, c'est parti. On va explorer. On a un coffre ici avec. Oh putain! 5 obsidiennes! Comme si c'était pas ce que je voulais. Bah, génial. Magnifique. On a même pas besoin d'aller dans le. Enfin, si, justement.
Faudra quand même qu'on aille dans le nether du coup. On n'a plus trop besoin d'aller dans les mines. Ok, qu'est-ce que nous avons? Donc on a plein de bibliothèques. Ah, il y a des lits. Eh, alors si ça c'est pas magnifique, tu sais quoi, je m'en bats les couilles, je dors chez les inconnus. On se met bien. On dort avec les grésillements. Non, comment ça s'appelle là, les mobs là? Les hiboux là, les. Non, les chouettes. Non, comment ça s'appelle là, les. Les grillons. Non, comment ça s'appelle là, les. Bon, bref, je sais pas. J'ai fait un bruit bizarre. On va prendre les ficelles, ça c'est cool. Enfin, les toiles d'araignée, pardon, pour faire de la ficelle. Le livre, je vais pas dire non, clairement. What? C'est écrit quoi? Jidzoiv 340. Ok. Ok, cool. Ici, qu'est-ce que nous avons? Oh là là. Oh là là! De la fourrure. Génial. Oh là là, mais attendez, mais il y a trop de trucs. Cet épisode prend des proportions non attendues. What? Ah, il y a des souris. Alors ça, c'est plutôt pas mal. On va prendre ça, je suis pas contre. Les os, en fait, je veux bien aussi. C'est des rats. Ah non, c'est des souris, c'est bon, c'est mignon. Les souris, on les tue pas, c'est gentil. Ah ouais, c'est énorme. En fait, c'est cassé, je viens de réaliser, mais... Ah ouais, c'est carrément tout cassé. C'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Attends, là il y a un coffre. Ouais, c'est que des trucs comme ça. Je suis sûr dans un coffre qu'il va y avoir un truc trop bien de la mort qui tue, mais... Ok, bon, c'est pas non plus... Normalement, attends. J'aime bien un petit peu tout explorer de fond en comble. C'est vrai que j'ai un petit peu mûri, c'est pour ça que j'ai voulu refaire une série modée au passage. Parce que j'aime bien maintenant fouiller de fond en comble. Pour ceux qui m'ont suivi pour ma série Dramorph, quand je faisais ma série sur la map Dramo 2, bon, il y avait beaucoup de choses aussi, c'est vrai, hein, mais j'aimais pas tout explorer, ça me saoulait. Et alors que là, bah, je suis carrément motivé de tout fouiller de fond en comble. Mais là, clairement, il n'y a plus rien. C'est pas pour bâcler le fouillement, mais il n'y a plus rien, clairement. Donc, on a 6 obsidiennes. Donc, alors, ça fait 4. Donc, j'en ai que 2, en fait. Parce qu'il faut faire une table d'enchant et il me faut aussi faire le portail du nether. Donc, vous savez quoi? On va quand même faire un truc qui est peut-être pas recommandé, mais ça va être rapide. Si on tombe sur une mine, on va faire un petit minage opti. Très, très, très rapide. Vraiment, mais très, très, très rapide. Je vous rassure, les amis. Ça va pas prendre trop... Enfin... Ah bah, vous savez quoi? Attendez. Bon, là, c'est peut-être considéré comme de la triche, mais regardez. Je remonte. Regardez en haut à droite. On peut voir un étang de lave. Vous voyez? Très bien. Donc, je sais où il est. On va pas faire du minage au petit 36 000 ans. On va aller là-bas, les gars. On va aller là où il y a le truc de lave. C'est parti, c'est par là-bas. Je crois. Attends, comment je fais pour y aller, moi, déjà? Ah là là, c'est le bordel. Ah, ces arbres... J'aime pas ces arbres-là. Hein. Y a que en UHR1 que je les aime bien, puisque ça se casse vite, mais... Donc c'est par là, on va aller par là-bas. Qu'est-ce que nous avons? On a plein de trucs et tout. Par contre là je commence à me perdre, c'est-à-dire que je sais pas où je vais là. Donc c'est un peu con. Ok, donc le truc de lave il doit être par là. On va faire gaffe, hein. On va pas trop creuser sous nos pieds. Je garde un seau d'eau sur moi au cas où. Parce que là il y a un truc de lave. Vous l'avez deviné. On va faire gaffe. Voilà, magnifique, on a notre mine. Par contre du coup j'ai failli crier, hein. J'ai pas crié mais j'ai failli crier. Ok, elle est où la lave du coup? Elle est peut-être un peu plus basse. Je vais poser des torches, hein, je vous rassure. Voilà, on y va. Ah la lave, oh putain, mineshaft. On a un mineshaft les gars. Non mais les gars, cet épisode ne se passe pas comme il était prévu qu'il se passe. C'est génial. On a un mineshaft je crois. Enfin de ce que j'en vois sur la carte en haut à droite. Ah, on a de la lave là, bah parfait. C'est ça que je voulais dans l'immédiat. Donc écoutez, hein, les gars, on va pas s'en priver. C'est parti pour du minage d'obsidienne. Tout ce que vous aimez, hein, bien évidemment. C'est parti. Il en faut combien donc? Attends, 4, 1, 2. Donc j'en ai 2, donc il en faut... oh là, je sais pas. Je sais pas, j'ai la flemme de compter, de calculer. Donc on va déjà miner. Et puis on va bien voir combien il nous en faut. Hein, les gars, on va pas se casser la tête. On va en prendre quelques-unes. Et puis voilà, je regarde un petit peu au niveau des objectifs. On n'a pas beaucoup d'objectifs, mais en soi, ça va durer très longtemps. Enfin, ça va durer pas mal de temps, cette série, du coup. Parce que finalement, bah, c'est pas non plus que des objectifs faciles. Hein. C'est des objectifs sympathiques, mais pas faciles pour autant. Surtout, atteindre niveau 100, ça va être un petit peu chiant. Mais on va y arriver, les gars. Hein. C'est pas compliqué, c'est un objectif comme un autre. On va y arriver, ça va être vachement cool, en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ah, vous savez quoi, je vous redemande quelque chose. Là c'est un pronostic. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de temps vous pensez que la série va durer. Est-ce que vous pensez que ça va durer 10 épisodes? Bon, ça clairement je vous le dis non, hein. Est-ce que vous pensez que ça va durer 10 épisodes ou 50 épisodes ou 100 épisodes? Voilà, dites-moi, faites vos pronostics en commentaire. Et on verra qui aura raison. Il n'y a pas de truc à gagner, hein, je vous rassure, mais voilà, on verra qui aura raison. On a 12 obsidiennes, je vérifie juste. Alors attends, en sachant que 1, 2, 3, 4, ça c'est pour la table d'enchant. Et il en faut encore 2, voilà, il en faut encore 2.
Donc il faut 14 obsidiennes au total pour faire une table d'enchant et un portail du Nether. Voilà, comme ça vous le savez maintenant. C'est parti, on prend encore une dernière obsidienne après celle-là. J'ai failli... Enfin, j'ai brûlé un petit peu, hein. Ça m'a un petit peu picoté la lave, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas grave, ça fait du bien un petit peu, ça réchauffe, hein, comme on dit. J'aimerais quand même aller voir le mineshaft qu'on a vu en haut à droite grâce à Rise Minimap. Donc on va aller vite fait l'explorer, hein, parce qu'il y a des coffres de type sympathique là-dedans. Et puis il doit y avoir des mobs grâce à mots créatures qui doivent être tout aussi sympathiques. Donc voilà, on va pas se mentir, une fois qu'on est là maintenant, on peut y aller, quoi. On va pas repartir alors qu'il y a un truc sympathique. Donc c'est parti, on y va, je sais pas du tout si c'est loin ou pas. Non, c'est bon. On est à côté. On y arrive, je commence déjà à entendre un petit peu des trucs. Je vais juste vous allumer, hop. Voilà. On avance, ah, on est en plein dedans. C'est quoi ce bordel? Alors soit il est au-dessus. Je crois plutôt qu'il est en dessous. Voilà, je crois qu'il est en dessous, j'ai entendu une araignée. Je crois clairement qu'il est en dessous. Et c'était une mauvaise réponse, Jean-Pierre. Il est en haut. Voilà, bien évidemment. On s'est fait avoir, bien évidemment. Enfin, je me suis fait avoir. C'est pas grave. Il est plutôt en haut. Ouais, en effet, il est en haut. Il est là. Regardez. Hop là. Oh putain. Ça, c'était le mauvais plan. Bonsoir. On est en quelle difficulté d'ailleurs? On est en difficulté normale. Voilà, je tiens à le rappeler. Donc, on va être empoisonné face aux araignées empoisonnées. Hein. Donc, on va faire attention. Ok, donc on va éviter d'aller par là-bas. Donc on vient de là, hein, on le sait, mais si jamais on prendra une autre sortie. On a des creepers, bonjour. Ah, ça c'est le mauvais plan. Ça c'est le mauvais plan. Ça c'est vraiment le mauvais plan. Est-ce que je peux me transformer en creeper d'ailleurs? Ah oui, je peux, ouais, très bien. Ok. Ok, ok. Bon, on a notre premier coffre ici. Oh putain! Ah, la belle douille. La belle douille. On a pumpkin seed, ça me sert à rien, je vais pas te mentir. Bah parce que voilà, on en a déjà en fait. Enfin non, on en a pas, mais ça me sert à rien. Bon, on verra au pire, hein. Bonsoir, il y a des choses à voir ici. Bonjour, ouais, bonsoir. Ok, je me perds, bonsoir. Alors attends, là c'est là où on avait le coffre. Et là ça remonte, vas-y, on va aller par là-bas du coup. S'il y a des trucs cool. Ah c'est vrai que vous avez raison, en commentaire vous me disiez ça va être relou là d'allumer les torches à chaque fois. Eh bien, c'est réaliste. Mais ouais, c'est un petit peu relou des fois. C'est un petit peu relou, je vais pas vous mentir, mais on s'y habitue, hein. Clairement, c'est juste le geste à prendre. Et puis après, voilà, regardez, hop, tac. Voilà, ça dure... Enfin, c'est rapide quand même, hein. Par contre, là, je suis... Oh, oh, le rat de mes couilles. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai pas vu encore, hein. Je peux te mentir. On avait un rat. Je sais pas si ça se mange, le rat, d'ailleurs. Faudra qu'on essaye. On a un œuf, ça me sert à rien. Mais c'est pas grave. Rat ou rat, on peut faire quoi avec? Ah bah, on peut le faire chauffer. Voilà, on peut le faire chauffer. Donc on peut le manger, ça se mange du rat. Écoutez les gars, j'ai pas trop envie de manger du rat. Bonsoir. Non, voilà, merci, t'as pas pété, c'est cool, ça fait du bien. Ça pue pas au moins, tant que tu pètes pas. Bon, on retourne vers la lumière. Ouais, y'a pas spécialement grand chose hein, dans les mineshafts. C'est vrai que je sais même pas pourquoi j'ai voulu absolument y aller. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. On va peut-être tomber sur des trucs intéressants encore hein. Là ça sent le cul-de-sac. Oh, oh putain, regardez. Il faut qu'on les tue. Alors, je vais vous expliquer si vous savez pas c'est quoi ça. Je vais les buter, voilà, parce que. En gros, ta gueule, merci, bonsoir. Voilà, il me demande d'arrêter. En gros, quand il fait nuit, bah, ces gars-là, ils se transforment en loups-garous, voilà. Et les loups-garous, on peut que les tuer avec une épée en or. Chose que je n'ai pas, voilà. Donc, j'ai pas trop envie de faire face à cette expérience. Bref, on vient d'où, nous? On vient de là? Non, on vient pas de là. Ah, on vient de là, je crois. Ah, bonsoir. Ah bah voilà, je suis empoisonné, ça commence bien. On vient de là, donc c'est quoi? Je descends et je vous laisse. Voilà. Je descends, je vous laisse, j'arrive les amis. Voilà, me voilà. On va rentrer du coup chez nous et on va commencer à se mettre bien. On va faire une table d'enchant. On va faire le portail du Nether. Bref, au programme là les gars, on va clairement se mettre bien. L'aventure elle commence maintenant, hein, clairement, je vous le dis maintenant mais... L'aventure, au bout du cinquième épisode, elle commence vraiment maintenant. Ouais, la sortie, j'ai trouvé où? What the fuck, j'ai fait comment? Ah, elle est là. Ah, voilà, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bref, en tout cas, on est plutôt pas mal. On est plutôt, plutôt bueno, plutôt being, plutôt, plutôt posé. Plutôt, voilà, tu vois ce que je veux dire. Par contre, est-ce que c'est par là? Je ne sais pas. Non, là, on se dirige vers le château, donc c'est par là. What? C'est par là ou c'est... Oui, c'est par là-bas en fait chez nous. Ok, faut aller par là-bas en fait. Très bien. Ok, ok. C'est par là qu'il faut aller normalement. Si je dis pas de bêtises.
Ah, c'est vrai que le problème, c'est que comme j'ai pas encore construit de maison, bah je suis pas sûr. Oh, bonsoir. Le mec, il a un ordinateur énorme. On a un chapeau ordinateur maintenant. Attends, tu sais quoi, on va le mettre direct. Merde, c'est pas ça. Avec grand plaisir. Il est où, il est où? Il est là, voilà, down, regardez. Je suis un geek avec un blue screen sur ma tête. Ok, magnifique. Ok, ici on a une construction. Je sais pas si on y est déjà allé. Ah, je crois que si, hein. C'est pas la maison à côté, non? Non, mais c'est aussi une tête. En fait, c'est similaire à... Ouais, c'est aussi une tête, vous avez vu, la même tête que l'autre d'avant, là. Par contre, je suis même pas sûr que ce soit par là qu'il faut que j'aille. C'est bizarre. Ça me dit rien, là, cet endroit. What? Ah, si! Là-bas, on a un château. On a... Mais what? Il y a de la neige, c'est quoi ce délire? Et là, il y a des maisons. Ok, les gars, je suis perdu. Attendez, je me transforme en oiseau, parce qu'il fait nuit, en plus, j'ai peur. Oh, les gars, je me suis perdu. Je me suis paumé. Vas-y, vole, petit oiseau. What? Oh, j'ai eu peur. Ah, si, c'est bon, on est là, non? Attendez. Celui-là, on l'a vu. Ça, on n'a pas encore... On n'a pas exploré, c'est des maisons. Faudra qu'on... Ouais, on faudra qu'on explore. Normalement, on est là. Est-ce que c'est terraformé? Dites-moi. Oui! Il y a un lit. C'est bon. On n'est pas perdu, c'est juste que... j'avais pas vu qu'il y avait de la neige. Enfin, bref, j'ai cru qu'on était perdu, mais en fait, on n'est pas perdu. Et ça, c'est bien. Vous savez quoi? On va se transformer en humain maintenant. Je sais que c'est qui tout double. Mais au moins, voilà. On se transforme en volant, comme ça, on pourra directement dormir. Voilà. Parfait, on peut dormir, c'est magnifique. On est arrivé sain et sauf à la maison. Et on va pouvoir enfin passer aux choses sérieuses, j'ai envie de dire. Alors attends, vous savez quoi? On va faire. Donc donne-moi 2 diamants. On a en plus un livre sur nous, donc c'est bon. Et donc c'est parti, on va se crafter directement notre table d'enchantement. On a en plus l'achievement, hein, puisque l'objectif c'est d'avoir tous les achievements. Tiens, avec ça, attends, j'ai vu qu'on pouvait faire... Non, on peut pas faire un truc avec ça? J'avais cru voir. Non, on peut rien faire avec ça. C'est bizarre ça. Attends, je suis sûr on peut faire des trucs. Ah, peut-être pas avec celui-là, mais on peut faire des trucs avec certains, je crois, j'avais vu. Attends. Laissez-moi voir. Voilà, regardez. Non, c'est pas ça. Avec. Voilà, avec de l'eau cool slab, on peut faire un shopping board. Je sais pas ce que c'est. On peut faire. Ah bah ça, je savais pas. Il n'y a pas besoin de mode pour le savoir, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça, des daylight sensors. Donc on pourra faire ça, et puis on peut faire du coup le matchbox. Je sais sincèrement pas ce que c'est. C'est peut-être pour faire les torches infinies. Mais les torches infinies, c'est avec de la glowstone, donc je sais pas. J'ai envie de découvrir ça avec vous. J'ai envie de voir ça maintenant, donc vous savez quoi. On perd pas de temps. On va, temporairement, on va mettre le portail ici. Voilà, c'est pas grave, hein. On l'enlèvera s'il le faut. Hop, hop, hop. Normalement, j'ai assez de blocs. Ouais, c'est bon. Hop, hop. Et voilà, on a notre magnifique portail du Nether. C'est une blague, les gars. C'est quoi ce bordel? J'ai dû poser tout à la main. Bref, on va rentrer à l'intérieur, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, bref, priez pour moi, comme on dit. Ouais, bon, vas-y, on y va. J'espère que ça va marcher, parce que sinon, on va bien être dans la merde. Mais normalement, voilà, we need to go deeper. Voilà, bien évidemment. Ok, bonjour. What? Ok, on est direct face à une forteresse. Alors, si ça, c'est pas de la chance... À moins que c'est peut-être les mods. Je sais pas si des mods ça marche aussi dans le Nether. Oh les gars, dans le Nether il y a des mobs avec mots créatures par contre qui sont très hardcore. Voilà, je tiens à vous le dire. Donc à mon avis on va morfler. J'aimerais juste la glowstone, hein. C'est clairement ce que je veux. Donc on va monter, on va pas perdre de temps. Il est où le ghast? Il est pas là, on l'entend juste, il est pas là, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Donc on va prendre la glowstone. Oh, il est juste là. Oh putain. Il est juste là. Et je crois que j'ai pas assez de blocs. Ouais, il est loin. Vas-y. Je sais que c'est n'importe quoi ce que je fais. Oh putain. Faut juste pas qu'il me voit. Voilà, faut juste pas qu'il me voit. Ok, il reste encore un peu de la marge. J'ai plus assez de blocs, les gars. Et merde. Et merde, je suis mort. Oh le con. Je suis mort, je pensais que ça passait. Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave les amis. Je suis mort. Y a pas d'objectif qui dit que si je suis mort la série s'arrête, hein, heureusement. Oh merde, mon stuff. Non, mon stuff. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi pas mourir. Attends. Vas-y, viens, t'as raison.
Attends, il faut juste que je le bute. Ah, ça c'était pas prévu. Putain, mec. Non, mais c'est une blague. Là, il me voit plus. Ah, si, il me voit encore. What? Ok. Bon, les gars, je crois que j'ai perdu un petit peu mon stuff. Bon, j'ai pas perdu le plus important, normalement. Normalement, j'ai pas perdu. Attends. Vas-y, viens. Vas-y, prends. Oui, oui. Oh, presque. Vas-y, je vais t'avoir. Oh, merde. Il faut que je l'ai. Vas-y, viens. Approchez-vous. Ah, je me fais bombarder là. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Ah là, je suis vraiment dans la merde. Là, c'était pas prévu. Ah là, il me faut un arc. Là, je suis pas bien du tout là. Vas-y, je fais comment? Ah là, je peux rien faire, les gars. Je peux vraiment rien faire. Et vous savez quoi? C'est pas grave, je me sacrifie pour y arriver. On va y arriver. Oh putain. Ouais, j'aurais jamais dû faire ça comme ça, mais bon. Ah, il me voit plus, il style, c'est bon. Par contre, j'ai perdu de la bouffe, je crois. Ah merde, il y en a un autre là. Je fais comment là? J'aimerais rentrer dans le portail. Ouais, les gars, on va morfler. Vas-y, c'est bon, c'est le moment. De toute façon, j'ai plus beaucoup de cœur alors. Et merde. C'est pas grave, c'est bon. Ok, oh là là, les gars. Bon, c'est vraiment parti en couille, les gars. J'ai perdu du stuff dans l'histoire. Bon, c'est désolant. C'est pas grave. J'aurais fait un petit peu de la merde, mais c'est pas grave. Bonjour, je peux ouvrir ce coffre un jour? Ah, je. D'accord. Je peux pas ouvrir le coffre. Genre, c'est une blague. Bonsoir. Pourquoi je ne peux pas ouvrir le coffre? Attends. Ok, je peux ouvrir le four. Ah, ça y est. Ok, il y a eu un bug, je sais pas ce qui s'est passé, je pouvais plus ouvrir le coffre. Eh, j'ai cru que là, il y avait plus rien qui fonctionnait. Je me suis dit, non, c'est pas la fin de la série, les gars. Bon, les gars, normalement, je sais vraiment pas ce que j'avais sur moi, parce que je pensais pas que j'allais mourir comme ça. Normalement, j'ai rien perdu. C'est quoi, je vais mettre ma pioche, là. Parce que j'ai pas besoin de pioche dans le... Je vais quand même prendre une pioche en fer. Ah, j'ai dû perdre ma pioche en fer, c'est pas très grave. Je vais juste me faire une pioche en fer au cas où je me retrouve bloqué. Je vais prendre plein de blocs. Genre des blocs genre ça, voilà. De la nourriture juste, est-ce que j'en ai? Est-ce que j'ai de la nourriture? Non, en fait j'ai plus de nourriture, c'est ça que j'ai perdu. Ah, par contre j'ai encore ça. Donc je suis pas contre. On va y retourner, on va sécuriser la zone. Je pense que les ghasts ils auront des pop de toute façon. Et bref, en tout cas, j'espère que ces fails là vous étiez pas prêts et que ça vous a plu, hein. Le pose bleu pour expérience sociale, bien sûr. La hache, on la remet là, ça aussi. Et puis voilà. Bon, c'est vrai que j'ai pas été malin. J'ai posé des blocs, j'aurais pu me transformer en. Je crois que c'est ce que je vais faire, je vais me transformer en oiseau. Mais je sais pas, je pense que je peux mourir si je me transforme en oiseau. Alors je sais pas. On va voir, vous savez quoi. Je mange, je régène et j'y vais. C'est parti. Ouais, franchement, j'ai eu très peur. Putain. C'est pas fini en fait. Bon, bah j'ai pas le choix. Ils sont encore là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me transformer en oiseau. Je vais m'enfermer temporairement. Voilà, est-ce que je meurs en tant qu'oiseau? Non, je meurs pas, c'est bon. Donc je vais monter, voilà, c'est bon. C'est pas du cheat hein, les gars, c'est le mode hein. Donc j'y vais comme ça, je me mets en sécurité. Voilà, on est bien. Là je suis en... Eh, hey, un oiseau dans le nether mon gars. T'as... Hey, vous savez quoi, je vais faire un screen. Voilà, un petit screen tranquillement. On va prendre la glowstone du coup. Et on va pouvoir faire des torches infinies. Ce qui va être plutôt pratique pour le mode Dynamic Light. Voilà. Donc on va prendre la glowstone. Et puis il me semble qu'on peut faire beaucoup de trucs avec aussi. Hein. Regardez, on peut faire quoi. Donc voilà, on peut faire de la glowstone crystal. Voilà, c'est ce qui permet de faire des torches infinies. On peut aussi faire donc des fireworks. Des potions. Ouais, c'est tout ce qu'on peut faire avec ça en fait. Bon, normalement on en a... Enfin, on en a assez. Oui. Je pense qu'on peut le dire. Donc c'est parti. On va y retourner. Par contre, du coup, les gars, est-ce qu'ils vont me faire chier? Je ne sais pas. A priori, non. Je vais quand même faire une sécurité. Et par contre, vous voyez, il y a un problème. Genre, le portail, il est bugué. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc on va réparer ça. Oh putain, j'ai cassé briquet. J'ai cassé briquet.
Ah vas-y viens, on va se le faire. Je vais me le faire lui hein. Je vais me le faire, je m'en fous là. Oh merde, les blagues, c'est une blague. Bah, là clairement je suis dans le mal. Voilà, en plus ça m'a donné un achievement. Est-ce qu'il a donné une larme de ghast? Ouais c'est bon, j'ai une larme de ghast. Vas-y, je me casse. Il faut que je prenne le portail, j'ai plus de briquet. Donc si le portail casse, c'est la fin de la série les gars. Enfin je pourrais toujours me suicider mais c'est peut-être pas la meilleure des idées hein. Pas te mentir. Vas-y, prends le portail. Voilà, vite vite vite, prends-le. J'ai pas pu sécuriser le portail comme il fallait mais bon c'est pas grave. Me voilà, voilà, magnifique. Vas-y c'est bon, je me retransforme en MKO. Oh les gars franchement, j'ai eu méga peur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les larmes de gaz? Tiens, ah bah voilà, bah on peut faire une ghost amulette. Et on peut faire les potions normales, ouais. Une ghost amulette, je sais pas du tout ce que c'est, mais on peut même faire ça maintenant. On va tester ça dans cet épisode du coup. On va tester ça avec plaisir. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Donc ça je peux remettre là. Ah c'est vraiment parti en couille quand même hein. Franchement j'étais pas prêt. Du coup voilà, on va faire les torches infinies pour voir si ça fonctionne. Donc normalement on met ça là et on entoure de glowstone. Voilà. Et il faut du bois. Faire ça, faire ça. Voilà, et donc on a des torches. Bah les torches normales hein, que vous connaissez. Les torches infinies. Ah on a perdu les torches normales en fait je crois. Ah non elles sont là. Voilà, donc là t'as les unlight torches. Donc celles qu'il faut allumer manuellement. Et ça va là. Et il y a ça, les torches normales. Donc avec dynamic light normalement ça éclaire. On va faire un test hein, bien évidemment. Toujours tester, voilà, on s'enferme. Il fait noir, donc avec une torche éteinte ça marche pas, et avec une torche allumée eh bien on voit tout de suite plus clair. Donc clairement on va privilégier les torches allumées tout le temps pour éclairer autour de nous. Et surtout pour dans les moments où il y a du conflit et que je dois poser des torches. Mais là par exemple ici je vais pas user des torches pour rien. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais refaire un briquet. Voilà, parce qu'il faut allumer les torches et j'ai cassé l'autre briquet. On va mettre des torches ici pour qu'il fasse un petit peu jour. C'est temporaire, hein, de toute façon on va construire la maison, il serait peut-être temps d'ailleurs. Je commencerai peut-être en off. Cet épisode est peut-être un petit peu plus long que les autres. Hein. J'espère que ça vous plaît du coup. On va tester Ghost Amulet. Donc pour ça il faut de l'or. Il faut, il me semble, j'ai oublié ce qu'il fallait. Ah des os, il faut des os. Ah, mais je crois que j'ai pas assez d'os. J'ai 4 os, est-ce que c'est assez? 4 os, 1... Oh tout pile assez, parfait. On va dormir par contre, donc je sais pas ce que ça fait. C'est vraiment de la totale découverte. Je sais que c'est le mode mot créature par contre. Donc on va faire gaffe, par contre achievement du coup. On en est où au niveau des... Franchement pour le moment ça va, on avance et ici du coup on a débloqué celui-là. Ah par contre ça met pas que ça l'a débloqué. Ah c'est bizarre. À mon avis c'est parce que je l'ai recassé. Je sais pas, on verra, mais en tout cas celui-là je l'ai débloqué hein. Ça c'est clairement sûr. Donc c'est parti, on va faire le craft du coup. Comment on fait? Voilà, on fait comme ça. Donc ça, ça va là. Après, il me semble que les os ils vont là. Et du coup, les pépites elles vont là. Ghost amulette, qu'est-ce que ça fait? Ghost amulette, c'est fantôme machin, clic droit. Ah voilà, ça ne fait rien. Ah, je pensais que c'était. D'accord, donc je viens de crafter un truc dont je ne sais pas à quoi ça... Dites-moi en commentaire à quoi ça sert les amis. Je vais arrêter les tournages là. Voilà, j'ai tourné 2 épisodes à la suite. Donc je verrai les noms que vous donnez au loup là. Et également du coup à quoi sert la ghost amulette. Dites-moi si vous savez en commentaire. Bah parce que j'aimerais bien savoir hein. Ça pourrait être plutôt sympathique. Et je vais commencer un petit peu la maison en off. Je vais essayer de commencer à faire une sorte de pattern. Un petit peu pour me donner des idées. Et comme ça dans le prochain épisode on pourra la faire concrètement sans aucun problème. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu et que ça a été bien mouvementé les gars, parce que là franchement j'ai eu très peur pour moi et pour la série. On aura un petit peu perdu des trucs mais c'est pas trop grave. Bref, si vous avez kiffé cette vidéo et si vous avez kiffé le fait que je viens de taper dans le micro, je sais pas si vous avez remarqué, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter, et si ça vous a vraiment plu et que vous voulez bah, m'aider, voilà, être plus nombreux voilà, pour me soutenir, eh ben, n'hésitez pas à partager. Voilà, c'est des choses que je vous demande jamais, c'est de partager, mais c'est vrai que finalement partager c'est super utile et important en soi. Si vous voulez bah, voilà, qu'on soit plus nombreux, et moi j'ai envie qu'on soit plus nombreux, mais pas... Voilà, c'est pas une priorité en soi, mais ça pourrait être vraiment cool, tu vois. Plus on est de fous, plus on rit, et comme on dit, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'était le dicton du jour, c'était Mkolo. Ciao tout le monde. I don't wanna...